Colette a été une très grande écrivaine. Elle a été aussi une très grande journaliste. Elle a écrit plus de 1200 articles de presse. En 1912, la bande à Bonneau terrorise le pays par ses braquages sanglants. Après avoir longuement ridiculisé la police, Bonneau est isolé. Pendant que le vent déplace le nuage qui nous couvre, je m'aperçois que je suis tout près de la bicoque défoncée qui craque et flambe. Une clameur se précise, s'étend et régularise le tumulte. À mort! À mort! Un homme se penche à une fenêtre éventrée et jette en bas un matelas. Des draps trempés d'un sang si abondant et si rose dans le plein jour de midi qu'il me semble artificiel. Il faut voir et non inventer. Je n'ai acquis de petites lumières que sur ce qu'il vaut mieux n'y pas mettre. Un ouvrier infirme conduisait à la visite ses quatre petits enrhumés, dont l'un se plaignait obstinément. « Ça me fait mal, là, dans le côté, quand je souffle. » Ces quatre petits, non cinq. Mais, remarque, madame le docteur, je vois sur votre fiche quatre enfants et vous m'en amenez cinq. Avez-vous quatre ou cinq enfants ? Voilà, ce petit-là, mon cinquième. Son père a été tué à l'ennemi, sa mère est morte après. Alors je l'ai pris avec les miens. Ne peins que ce que tu as vu. Regarde longuement ce qui te fait plaisir, plus longuement ce qui te fait de la peine. Le mari de Colette combat à Verdun. Malgré l'interdiction formelle faite aux épouses, Colette a décidé de le rejoindre. Le tapissier, parfaitement. Le beurre qu'il vend, c'est de la margarine. Oui, et puis... Et puis, il y a que le marchand de piano vient de recevoir un arrivage de sardines épatant. Les yeux bleus deviennent de rire tout petits. Ah oui, pardon, la guerre. Eh bien, mais ça va. Mais le danger, le vrai, c'est de ne plus manger. Tâche d'être fidèle à ton impression première. Ne te fatigue pas à mentir. Le mensonge développe l'imagination, et l'imagination, c'est la perte du reporter. Et fragonarde comme pas une. Nous la retrouvons grandie, osseuse, avec un profil de cheval luxembourgeois. Mais c'est hier qu'en parlant d'elle, un froid et robuste jeune homme répliquait. Ah non, très peu pour moi. On en revient avec des ecchymoses à la hauteur des oïliacs. Ça vous dessèche le sein. Il se réduit à rien. N'écris pas ton reportage au loin. Il te semblerait méconnaissable en revenant ici. On n'écrit pas un roman d'amour pendant qu'on fait l'amour.